Ouais bah dis donc, ça c'est de l'intro. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On fait là qu'on a capté un message qui sous-entendrait... que l'arche galarienne qui a été attaquée, ça serait pas vraiment un hasard. Ok, terminé. Les tuyaux anonymes. Jetons un coup d'œil. Ils ont peut-être laissé quelque chose. Et donc du coup, on a tracé le signal. Et ça nous mène ici, sur Avarl. À en juger par leur équipement, ils espéraient capturer quelqu'un. Probablement moi. Désolé. Cela dit, si vous aviez versé une goutte de sueur, j'aurais été encore plus désolé. C'est vous qui nous avez envoyé le message à propos de l'Arche galarienne? Oui, Major Salen Varn, du GSI. À la retraite, bien sûr. Le GSI? Qu'est-ce que c'est? Le Groupement Spécial d'Intervention. Des agents de terrain chargés du renseignement et de la résolution de problèmes. Des espions? Des assassins? Si vous préférez. Comme je vous l'ai dit, je m'en tiens à retraiter, maintenant. L'espionnage est un métier qui vous suit partout, même à travers les galaxies. Jusqu'à ce que votre conscience finisse par vous rattraper. Soyons honnêtes, il y a trop d'incohérences sur notre arche. Elle ne s'explique que si quelqu'un nous a vendu au Kert. Mon suspect numéro 1 est un biologiste, le docteur Adan. Mais les preuves sont ténues. J'ai besoin d'une pionnière pour vérifier ce que j'ai trouvé. Faute de quoi, je risque d'arrêter un innocent. Vas-y. Qui est ce docteur Adan? Pourquoi il aurait trahi son arche? Un ex-biologiste de l'armée qui faisait partie de la première équipe réveillée sur notre arche. Il prétend étudier les cartes. Quant à savoir pourquoi, je compte bien lui demander. Moi j'aime bien la baston derrière, là. Bon, sinon t'as un pionnier, quoi. Vous ne pouvez pas demander l'aide d'Aiger? Aiger est trop inexpérimenté pour être corrompu, mais son équipe, c'est une autre histoire. Vous, en revanche, vous êtes digne de confiance. Si vous étiez impliqué, vous n'auriez pas sauvé notre arche. Ok. D'accord, comptez sur moi. Et comment on l'arrête, votre traître? J'ai deux pistes. L'équipement du docteur Adan, et un Kert que je soupçonne d'être son complice. J'ai besoin que vous et votre Sam meniez l'enquête. Si on prouve que le docteur Adan est en contact régulier avec les Kert, on le tient. Et si les preuves ne mettent pas en cause Adan? Si je suis si rouillé que ça, j'imagine que je devrais recommencer à zéro. Souvenez-vous, l'équipement du docteur Adan et son contact Kert. Il nous faut une preuve irréfutable. Bonne chance. Tous les deux sur Vold. Bon. J'ai rien contre vous. Mais tant que vous êtes là, je pouvais pas me déplacer. Donc on retourne sur Vold. Pour une petite mission annexe, mais qui peut être sympa. Ça nous permettrait de faire la lumière sur, sur ce qui s'est passé avec l'arche galarienne. J'ai fait quelques petites bricoles depuis le dernier enregistrement. Voir de mettre à jour un petit peu le journal de quête. Vous avez une minute? Non, suivi. Un nouvel email vous attend sur votre terminal, pionnière. On verra ça plus tard. Vetra. On va d'abord aller... Hop, on va faire ça. Virer sur Kadara. Ouais, parce qu'on a discuté et elle cherche une lampe. Voilà, c'est très intéressant. Hop. On commence notre approche. Du coup, on va juste lire l'email. Je pense que je le ferai à l'arrache tout seul. En orbite stable autour de Vold.
Mais bon, c'est pas ce qui a l'air de plus passionnant, quoi. Ne vous inquiétez pas, Sid n'a rien fait de considérer cette fois-ci, que je sache, j'ai juste trouvé quelque chose d'intéressant sur Kadara. Ouais, donc c'est... Jal qui me kiffe à mort. Jal avec qui j'ai passé des choses sur Aya. Juste le scanner. J'ai repéré un architecte reliquat. Donc ouais, on a fait nique-nique sur Aya. Mais ce n'est pas en vidéo. Bande de petits pervers. En plus, il y avait du boobs, quoi, donc... De la ZA. Avec la politique YouTube, je préfère éviter. Il y a des chaînes qui doivent très bien s'en charger de faire des compiles de toutes les scènes de cul possibles et imaginables dans les Mass Effect. Ça fait sûrement beaucoup plus de vues qu'un let's play. Mais bon. Parfait. Juste à côté d'un voyage rapide. On ne demande pas mieux. C'était Kix, d'après ma carte. La température est en baisse, pionnière. Non, mais on risque plus rien, normalement. La température ambiante est normale. Quoique, contre l'architecte, on devait quand même rester près des... Très déchauffage. Ça doit être là que le docteur Aden travaille, celui que l'ex-agent du GSI a dans le collimateur. Vous, la pionnière, c'est vrai que vous pouvez parler aux vieilles machines? Les reliquats, vous voulez dire? Je leur veux aucun mal. Je leur en ferai jamais. Dites-leur d'arrêter de m'attaquer. Pourquoi les reliquats s'en prendraient à vous? Je cherche des trucs utiles autour des piliers. Ah bah oui. De la technologie de qualité. Les machines m'ont toujours laissé tranquille jusqu'à maintenant. Ils vous ont blessé ou juste chassé? Ils m'ont poursuivi et j'ai glissé sur la glace. Là, je me suis blessé. On vous a mal renseigné. Je ne peux pas vraiment parler aux reliquats. Même si c'était le cas, ça m'étonnerait qu'ils m'écoutent. Tu pourrais arrêter de bouger? Vous servez à quoi, alors? Je vous remercie pas. C'est très inintéressant. Ce que vous avez trouvé à Jani Hick est réellement incroyable, pionnière. Nous allons pouvoir mettre au jour la ville, retrouver notre histoire perdue. Ces récentes victoires contre les Kert ont ouvert la voie à de nombreuses possibilités. La reconstruction et même l'expansion. Votre peuple a sa place ici, si vous le souhaitez. C'est une invitation officielle que je vous adresse, en tant que régisseuse de TKX. Je vous remercie de votre générosité. C'est juste du bon sens. Beaucoup s'accordent à dire que nos peuples sont plus forts ensemble que séparés. Grâce à la réactivation du caveau, les conditions sur Veuld vont s'améliorer peu à peu. En tout cas, c'est ce que nous espérons. Je vous laisse à vos occupations. Bienvenue chez vous, Ryder. Bah, merci. Je ne vous dérange pas plus. Vous ne me dérangez pas du tout. Que la chance vous sourie, Ryder. Je vois pas trop de quoi elle parle, mais... Allez, direction le Kert. Froid et sombre, tout ce que je déteste. Comment ça? Station de largage que j'aurais pas validée?
C'est étonnant. On va remédier à ça tout de suite. Hein. Je continue de découvrir votre peuple, Bibi. Plus j'en apprends, plus je suis fasciné. Vous en faites pas, Jal. Je vous en veux pas. C'est vous qui faites le lien entre toutes les espèces de la Voie lactée. Votre capacité à vous reproduire unifie la galaxie. Ouais, ouais. Les Asari rassemblent tout le monde. Vous n'en êtes pas fier? Mon peuple est bien assez fier comme ça. Pas besoin d'en rajouter. Elles unifient la galaxie carrément. Protocole automatisé activé. Déploiement de la station. Avancer. C'est quelque chose, ces nuages. Parfait. Des zones minières sont disponibles dans cette région pionnière. Je les ai ajoutées à votre système de navigation. Ça me sert à rien. Il y a sûrement des gardiens. Il fallait que ce soit fait. Bonjour. Cet agent du GSI dit vrai, ce garde était le contact du docteur Aden. Et si on tue tout le monde, comment on fait pour poser des questions ? Un petit peu de retard, Jal. Cible éliminée. Bien tissé. Bonjour. Nous venons poser des questions. Se mettre au chaud un petit peu. Les systèmes de survie sont stables. Parfait. On par contre scanner quoi? Je détecte une diminution de la température. Ah, te voilà. Parle! Ce kert s'est fait implanter un transmetteur de la Voie lactée. La vibration de particules de l'appareil ressemble à du cryptage galarien. Ressemble ? Ça ne prouve pas grand-chose. Il aurait pu trouver l'implant sur l'arche galarienne. Nos deux pistes sur la trahison d'Aden sont pour le moins bancales. Dommage pour ça. Ah merde, vas-y, fini. Hélène ! Et si on allait interroger Ager sur le Nexus ? Il en sait peut-être plus. Sur le Nexus ? Eh ben, go Nexus, alors. Qu'est-ce qui s'est passé sur le Nexus, sinon? J'ai appris à jouer à un jeu bizarre avec Drac. Et j'ai pas vu le jeu. Et la journaliste est sortie de prison, aussi. Jal voulait vous parler. En orbite stable autour de Vold. Vous voulez parler à Jal, quand même. Merde, il est où déjà?
choses intéressantes à dire. Il vous reste des PVA à dépenser, pionnière ? Alors non. Je pense que je peux le faire. Et plus de modules de stase à libérer. Bonjour, Ryder. Vous venez voir si j'ai enfin craqué. Voir quel effet ça m'a fait d'apprendre que mon peuple a été fabriqué. Ah. C'est une découverte ahurissante. Je péterais les plombs si j'étais vous. Et pourtant, je suis calme. Hein ? Vous n'êtes pas du genre à enfuir vos émotions d'habitude. C'est vrai. D'habitude, les Angara n'hésitent pas à exprimer leurs sentiments. Je ne parle pas des Angara en général, mais de vous. Je me sens vidé. Ah, ça c'était bien sur Aya. Ça me dépasse. C'est apaisant de savoir que, même si l'univers dépasse notre entendement, il fonctionne très bien sans qu'on le comprenne. De savoir qu'on a peut-être même un destin caché. On ne sait même pas quelle est l'ampleur de ce projet. Il s'étend peut-être sur plusieurs galaxies. Exactement. Et si on... Quand on connaîtra notre rôle, on pourra amener ce projet à son terme, et même l'améliorer. Mm-hmm. Cette nouvelle ne m'a pas anéanti, Ryder. Au contraire. Attends, tu... Les Angara ont été créés dans un but précis. On nous a donné des caveaux et des mondes en or. Tous ces outils sophistiqués. Et les Kert n'y peuvent rien. Pour les Angara, l'avenir recèle plus qu'une guerre sans fin contre les Kert. Beaucoup plus. Oh, t'es mignon. Ça me touche beaucoup que vous puissiez vous montrer aussi honnête et vulnérable avec moi. Merci. Je me sens en sécurité avec vous. Bah ouais, tu restes toujours à bord du vaisseau. Qu'on ait été créé par un dieu, qu'on soit la réincarnation de nos ancêtres ou le rêve d'une intelligence artificielle, cette découverte ne change rien. Sauf nous-mêmes. Et ça, c'est... tout ce qui compte. Ok. C'était pas très intéressant. Allez, direction... Souvi, vous avez eu l'occasion de rencontrer Jen Garson. Le Nexus. Je lui ai serré la main une fois lors d'une collecte de fonds en orbite stable. Et j'ai bafouillé quelque chose à propos de regarder sous sa robe. Sérieusement ? Je voulais voir comment ça marchait. Un prototype de textile intelligent qui changeait de couleur en fonction du son. Ouais. Et en plus, il y avait beaucoup de champagne. Donc ouais, la journaliste est sortie de prison. Je lui ai accordé une nouvelle interview et on a été boire un verre. Bon, encore une fois, rien de très intéressant, quoi. Et surtout, encore une quête qui est en attente. D'ailleurs, on est quand même en train d'approcher pas mal de la fin du jeu, que j'ai l'impression. Il y en a encore beaucoup de quêtes qui sont mises en attente, quoi. Donc, je sais pas s'il y a possibilité de continuer à jouer une fois la dernière mission passée, quoi, mais... ça sera embêtant qu'arrivé à la fin du jeu, il y a encore des missions qui soient en attente parce qu'on les a pas faites assez tôt dans le jeu. À voir ce que ça donne au final. Atterrissage. You. Et moi que v'là ! C'est vraiment pas pour ça que je me suis enlevé. Allez, on ouvre. Centre des opérations. Toujours aucun contact établi avec nos descendants de la Voie Lactée. Les balises confirmant notre arrivée dans Eleus restent sans réponse. Vous êtes sur SIH. En même temps, de ce que j'ai cru comprendre, il y a trois fins possibles. Dans Mass Effect 3, je me demande laquelle est canon. La ferme hydroponique signale que la production d'oxygène est bonne. Enfin, en tout cas pour Andromeda, quoi.
Bonjour. Ah, Ryder, asseyez-vous. Donc oui, suite à ça, les Kert ont renforcé la sécurité. J'ai tout juste réussi à rentrer. L'idée que des Galariens puissent comprendre l'exaltation doit les empêcher de dormir. Tant mieux. Ouais. Alors comme ça, vous cherchez à percer les sombres secrets des Kert sur l'exaltation ? Et avec un peu de chance, à y mettre un terme. Je tenais à vous remercier pour les cartes stellaires. Avec plaisir. Entre la carte du fléau et les données que Ryder a tirées des caveaux, les cartes n'auront bientôt nulle part où se cacher. Je vous enverrai nos derniers rapports. J'en veux bien une copie, si ça peut nous permettre d'étendre la zone de recherche. Toujours à la recherche des modules de stase ? Et on continue d'en trouver. Avoir une IA comme coéquipier fait une sacrée différence. Je devrais sûrement être à la recherche d'un successeur et réfléchir à ce que je peux faire pour le préparer. Il n'y a pas de mal à trouver ses ailes en plein vol. Ça nous a réussi, à nous, non ? C'est vrai qu'au final, il n'y a aucun des pionniers qui était vraiment destiné à l'être. Enfin, si, peut-être destiné à l'être, mais il n'y a aucun pionnier d'origine, quoi. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir quel genre de pionnier vous êtes. Ah, c'est vrai. Pour le moment, camarade, j'ai besoin de votre aide. Le premier vin d'Andromède, envoyé au Nexus. J'ai bien fait de prendre ma flasque. Ah, ça sent bon. Voilà qui est digne de notre première réunion. Et si on portait un toast ? Ouais, à nous. À nos équipages, à nos Sam et à nous. Pourvu qu'on trouve toujours le chemin de la maison. Donc ça, c'est un truc que je devais faire depuis un moment. Je savais pas à quel endroit c'était. Et du coup, maintenant, je peux parler à Pepper. Ah, Ryder. Votre pilote m'a dit que vous aidiez le Major Saelen Varn à enquêter sur le Docteur Aden. Vous connaissez Saelen ? Seulement de réputation. C'était l'un des meilleurs agents du GSI à l'époque. Je lui ai offert mon aide pour Aden, mais c'est resté au point mort. Qu'est-ce que vous pensez de la théorie de Saelen selon laquelle votre peuple aurait été trahi ? Ça semble fou. Et en même temps, ça expliquerait tellement de choses. J'ai contacté les dirigeants de l'Arche, les premiers réveillés. Mais ils n'arrêtent pas de me faire poireauter. J'avais une idée, mais elle n'est peut-être pas tout à fait légale. Ah. Eh, si on n'enfreint pas les règles, qui s'en chargera ? L'un des officiers de l'Arche, Randlon, a un appartement ici. S'il est trop occupé, il ne sera pas chez lui, et un petit scan ne coûte rien. Juste histoire de jeter un coup d'œil. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Alors, c'est où les appartements ? Oh, l'animation de la course quand t'es en pente, elle veut rien dire, quoi. C'est parti ! Par contre, la lumière qui clignote, ça sert à rien de le corriger dans un patch, hein, y a pas de souci. C'est tout pour Ave, mais c'est pas grave. À mon âge, la famille, c'est... Sacré cardio quand même, hein. C'est fermé. Je peux peut-être pirater cela, pionnier. Mais oui. Nous y voilà. Aucun doute, c'est l'appartement dont parlait Ager. Fraîchement nettoyée. Il reste des traces de poussière. D'après le taux de radiation du fléau, elle provient d'un monde éloigné. Donc, Randlon ou quelqu'un qui est venu dans son appartement a fait un peu d'exploration. Bla bla bla. Elle a été arrosée récemment. Il y a une fibre prise dans une feuille. Elle présente des traces de nos vitamines. Un médicament ? Un neurodépresseur produit par certaines espèces végétales d'Andromède. Cette plante n'en fait pas partie. Ok. Qu'est-ce que vous faites chez moi ? Vous devez être Randlon ? Oui,
C'est vous qui avez sauvé notre arche. Qu'est-ce que vous faites ici? Je mène une enquête sur l'arche galarienne. Je voulais vérifier quelque chose. Ah oui, j'en ai entendu parler. J'étais trop occupé pour participer. Il a l'air vachement occupé. Il va falloir que je trouve le temps. En quoi puis-je vous aider? J'aimerais poser quelques questions au docteur Aden. Vous le connaissez? Vous savez où il est? Ah oui, Aden est une sorte de biologiste. On était parmi les premiers à se réveiller. C'était une période difficile. Je ne l'ai pas revu depuis que l'arche a été secourue. Pourquoi Aden? Saëlen Varn m'a dit que... Saëlen? Ah, je vois. Si c'est encore un coup du Major, tout s'explique. Comment ça? Je ne veux pas répandre de rumeurs. Vous pouvez partir. Et si j'étais vous, j'éviterais de m'introduire chez les gens sur les conseils de Saëlen. Pourquoi? S'il m'a mené en bateau, je veux entendre ses rumeurs. Le Major est un homme brillant, mais il a passé trop de temps au GSI. Il nous rabâche ses histoires de complot depuis son réveil. La plupart des agents retraités ont du mal à concevoir un monde sans espionnage. Je vois. Vous savez quoi? On va oublier ce qui vient de se passer pour le Major. Au revoir, pionnière. C'est bien la planète que tu as identifiée, Sam? Oui, pionnière. Voyons pourquoi Rand ou ses amis s'aventurent. Allons sur Eladen. Encore une quête qui nous fait sacrément bouger, quoi. Du coup, je pense qu'on commencera pas la quête principale avant le prochain épisode. On va déjà finir ça. Et à partir du prochain épisode, on s'occupe de la trame principale. On doit vraiment pas être loin de la fin maintenant. Pionnière, vous avez une minute ? Toujours pas, Souvi. Parce que tu es la trame principale pour l'instant, donc ça m'intéresse pas. Enfin si, ça m'intéresse, mais pas tout de suite. On va aller prendre le soleil un petit peu. Histoire de prendre des couleurs. On maintient la trajectoire. Voilà. Ouais, cette équipe, c'est très bien. On va pas s'embêter à changer les membres de l'équipe pour le moment. Je laisse Drak et Vetra se reposer un petit peu avant de partir sur de vraies missions. Les oiseaux font n'importe quoi. Et ils volent dans des positions pas du tout faites pour voler, quoi. Alors, c'est par où? Mais t'as où je ce truc? Mais bon. Allez. Ça se fait vite. Le revoilà. L'abyssal reliquat. On va le taper ou pas? Au bout d'un moment quand même. Bonjour. On a des cibles. Ouais, mais ça m'intéresse pas.
Pionnière, voici les coordonnées approximatives que j'ai extraites de l'appartement du Galarien. Et... rien en vue. Il y a des pièges de sable partout. Et si on regardait sous la surface ? Trace de pas. Il y avait quelque chose ici, qui a été traîné dans cette direction. Suivons les traces, suivons les traces. Que c'est bizarre de suivre des traces comme ça, parce que normalement on devrait les voir un petit peu. Attention. Ces charognards pourraient poser problème. La piste mène droit à eux. Approchons-nous un petit peu. Wow. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Silen ? C'est un peu familier pour une première rencontre. Il a l'air déboussolé. Je vous ai contacté dans l'espoir qu'un de mes suspects tenterait quelque chose et malheureusement, c'est arrivé. J'imagine que j'étais censé disparaître ici pendant qu'il faisait joujou avec mon camoufleur. Si vous avez rencontré un Silen, c'était Aden. Attendez, vous... Il m'a demandé de suivre plusieurs pistes censées l'incriminer. Laissez-moi deviner. Il vous a demandé de scanner ces pistes ? Je soupçonne le traître d'avoir dissimulé des messages sur des encodeurs optiques. Ces messages étaient la vraie preuve dont j'avais besoin, mais un scanner puissant comme le vôtre a dû les effacer. Aden s'est servi de vous et de mon enquête pour brouiller les pistes. Quel fumier. J'ai un peu l'impression que vous et le docteur Aden me prenez pour votre marionnette. Alors, qui tire les ficelles d'Aden ? Toutes les pistes mènent à notre arche. Aden n'avait pas les autorisations pour effacer des registres ou pirater l'ordinateur de navigation. Mais il est coupable. Je soupçonne Aden d'être l'homme de paille d'un complot lié au Kert. C'est par lui qu'on les jouera. Oui, sauf qu'Aden s'est débarrassé de tout ce qu'on avait sur lui. Et je parie que Randlon s'est volatilisé. Aden... Il a oublié la fléchette avec laquelle il m'a empoisonné. Elle est toujours là. Et la balistique est intacte. Contactez Aden. Faites comme si de rien n'était et demandez à le voir. Je serai là pour l'arrêter. Il nous faudrait un endroit neutre pour rencontrer Aden. Il y a des grottes sur Kadara qui pourraient contenir. Putain, mais pourquoi Kadara ? Fais passer le mot. Allez, y'a quoi là-dedans ? Bah va, c'est pas tant de la merde. Par contre, je suis garé loin, hein. Lunettes tactiques. Oh, c'est du bronze, ça sert à rien. Je veux me battre contre le gros machin. Faudrait que je fasse une recherche pour voir si... ça fait peut-être partie de la fin du jeu. Ah, qui sait. Peut-être que le truc qu'on cherche là, dont je connais plus le nom. Meridian. Peut-être que Meridian est dans ce truc.
Peut-être. C'est quand même un truc assez unique qu'on a rencontré que sur cette planète. C'est aussi la planète sur laquelle il y a le plus gros vaisseau reliquat. Ça fait d'Eladen une planète qui est quand même à part. Jaal voulait vous parler. Ouais, mais ça va aller. Là, faut qu'on aille se balader sur Kadara déjà. C'est déjà bien assez. Parler à l'imposteur dans les grottes de Kadara. Alors, Kadara. Vérité et intrusion. En orbite autour de Kadara. Zone d'atterrissage. J'espère que c'est la dernière partie. Comme ça, en finissant l'épisode, je pourrais faire le petit truc pour Vetra avant de commencer le prochain. Allez. Je suis d'accord. Pas le temps de niaiser. Allez, allez, allez. J'ai l'impression que les temps de chargement sont plus longs qu'avant. Il n'y a pas de raison particulière à ça, quoi. J'ai toujours le même PC. Peut-être parce qu'il fait chaud. Enfin, c'est complètement con, mais... C'est le truc qui a changé depuis mes dernières sessions, c'est les mises à jour, quoi. Donc franchement, si les mises à jour rendent le jeu moins performant, déjà quand je charge ma sauvegarde, c'est beaucoup plus long qu'avant. Hey. Reviens là! Je vous ai entendu chanter l'autre jour. J'ai jeté un coup d'œil. Vous vous mettiez de la lotion sur les membranes de votre cou. Vous vous trompez. À propos de... Du chant. En revanche, l'application quotidienne de baume de cendre hydrogénée est importante pour faire briller mes membranes. J'ai tellement de questions. Ok. Bon, Pibi, tu vas te calmer toute seule, tout de suite, parce que c'est mon chum. Bonjour. Ici la pionnière. Vous voilà. Alors, vous avez suivi ces pistes ? J'ai découvert que vous étiez un traître et un meurtrier. Qui vient de trouver sa prochaine victime. C'est donc vrai, les vieux espions ont la vie dure. Le vieil espion vous en collerait une s'il ne portait pas une preuve dans sa poitrine. J'ai essayé de vous donner un enterrement digne de ce nom, Major. Je n'avais pas le temps de vous rallier à notre cause. Vendre votre arche aux cartes n'a aucun sens, d'un point de vue logique comme stratégique. Pour vous, parce que vous n'avez pas toutes les données. Plusieurs d'entre nous se sont réveillés avant les autres. On a préparé l'arche, et puis on a trouvé les cartes, un ennemi implacable. Alors on a conclu un pacte, notre arche contre leurs secrets, pour qu'un jour on puisse les détruire, eux et leur exaltation. Ah ouais. Vous avez fait semblant de vous allier aux cartes pour les étudier, puis les poignarder dans le dos. Écoutez, il y a tout un empire de cartes au-delà d'Eleus, des conquérants tout-puissants qui nous envahiront tôt ou tard. Les secrets que nous détenons pourraient mettre fin à notre extinction avant qu'elle commence. Libérez-nous, et ils sont à vous. Ne les gâchez pas. Après quoi ? Qu'est-ce que vous avez à offrir au juste ? La complexité de l'empire cartes, leurs vassaux, leurs éventuels points faibles, les secrets de l'exaltation. Rien qu'on puisse confirmer. Vous pourriez très bien tout inventer. On a dû sacrifier des civils pour ça, Major. Leur mort ne doit pas rester vaine. Je suis pas là pour ça. Conduisez ces traîtres à ces nouveaux quartiers, Major.
On a des logements particuliers, réservés aux collaborateurs. Si vous m'arrêtez, vous ne trouverez jamais les autres. J'ai tout mon temps pour chercher. Je suis à la retraite, je vous rappelle. Je vous revaudrai ça, Ryder. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Je dois appeler la milice, me faire soigner, et m'enfiler la boisson la plus corsée du Nexus. Mais du coup, les Galariens qui vivent vraiment pas vieux, là, je crois que c'est 40 ans d'espérance de vie, un truc comme ça, ils sont retraités à quel âge ? Enfin, c'est pas le plus important. En tout cas, on va s'arrêter ici. Et on se retrouve lors du prochain épisode. À bord du Tempête. Pour faire avancer la trame principale. Moi, pendant ce temps-là, je vais j'avoue que j'aurais bien aimé voir faire une virée sur Kadara. Quand on a décampé de son vaisseau branlant, il devait être furax en regardant l'Arche Galarienne disparaître à l'horizon sans rien pouvoir faire. J'espère qu'il s'est senti impuissant, démuni. C'est un sentiment que mon peuple ne connaît que trop bien. C'est jouissif d'avoir pu lui transmettre cette émotion. C'est bon, vous avez fini ? C'est très bien. Donc on se dit à la prochaine. À plus !